Vendredi 17 novembre, Son Excellence l'ambassadeur de la République tchèque, Peter Drulák, le maire de Pokno, Sarka Skrabalova, et le maire de Puteau, Joël Sekadireno, ont dévoilé le buste de František Kubka à la maison de Camille. Alors ce monument est le symbole concret donc, du lien que le destin de Kubka a tissé entre nos villes. Il répond à notre volonté d'ancrer la mémoire de Kubka ici même, à la maison de Camille, où quatre de ses œuvres sont exposées, parmi les plus belles pièces de notre collection municipale. Afin de magnifier et faire léviter ce buste, l'artiste tchèque Marian Karel s'est inspiré des gouaches en noir et blanc de Kubka pour créer un socle fait de granit et de verre. To sklo vlastně vynáší do prostoru ty černé jeho geometrie, co je na tom papíře. Ce buste est le jumeau de l'œuvre dévoilée à Opokno en juin dernier. Která mají shodné rysy a navzájem se doplňují. Dva pomníky, které dávají důkaz o tom, co obě města k sobě cítí, co hlavně cítí k Františku Kubkovi, jak významným člověkem pro nás byl. Návaznost je logická. František Kubka se v Opočně narodil a většinu svého života strávil právě v městě Pito. Une relation de qualité que souligne Son Excellence l'ambassadeur de la République tchèque, Peter Drulák. Je suis vraiment heureux que le jumelage entre Pito et Opočno est un jumelage bien vivant.